Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les promotions du mardi 26 novembre 2019, donc 3 jours avant le Black Friday. Vous allez voir, il y a pas mal d'offres, et tous les jours il y a pas mal d'offres à tomber régulièrement. Donc bien sûr, tous les liens vous les retrouverez dans la description de la vidéo. On attaque tout de suite avec les composants ici chez Rue du Commerce. Donc des packs sympathiques, vous allez voir, il y a vraiment des kits évolution qui sont vraiment très très bien. Donc ici pour 251€, nous avons un Ryzen 5 2600 qui coûte à lui seul une 130€ environ. 8Go DDR4 2666 et la très bonne carte mère B450 Aorus Elite. Donc 251€, je trouve que c'est vraiment un très bon prix. Bien sûr, comme à chaque fois, n'oubliez pas de rentrer les codes de réduction. Autre kit évolution sympathique cette fois-ci avec le Ryzen 7 2700 qui est vraiment très très bien. Même carte mère qu'on vient de voir, donc la Aorus B450 Elite qui est vraiment excellente. 16Go en DDR4 3000, donc franchement du tout bon pour 315€, c'est vraiment un très bon prix. Donc là c'est vraiment l'idéal pour se monter un PC à environ 700€. Nous avons également un kit similaire chez Rue du Commerce, sauf qu'on change la carte mère ici pour une Asus TUF B450 Plus Gaming, pour ceux qui préfèrent les cartes mères de chez Asus, ou alors les cartes mères de chez Aorus. Donc après c'est à vous de voir, les deux sont vraiment très bien pour 315€, exactement le même prix. Autre kit sympathique à 10€ plus cher pour celui qui préfère les processeurs de chez Intel, donc le Core i5 9400F qui est légèrement supérieur en jeu par rapport au Ryzen de deuxième génération. Donc ici très bon processeur, 16Go en DDR4 3000, mais bien sûr la plateforme va être bridée en DDR4 2666. Autrement la carte mère est vraiment très bien, la TUF B360 Plus Gaming. Donc ici 325€, c'est également un très bon prix pour ce kit. Également sur les cartes mères, il y a pas mal de codes promotion chez Amazon, donc la MSI B450A Pro à moins de 100€. Donc ici les gros avantages des MSI en génération max, c'est qu'elles sont compatibles avec tout ce qui est Ryzen série 3000 par défaut. Donc tout ce qui est Ryzen 1000, 2000, 3000, il n'y a vraiment pas de souci avec les MSI max. Donc pour moins de 100€, vous pourrez mettre par exemple un Ryzen 5 3600 dessus sans vous poser de questions, c'est vraiment pas mal. Également plus jolie, la version Tomahawk a également un code de réduction de 11€, donc ça fait 106€. Très très bonne carte mère que j'apprécie beaucoup, donc toujours pareil, compatible avec Ryzen 1000, 2000 et série 3000. Pour les petits budgets, également une carte mère vraiment pas chère ici avec le code, ça fait 45€ pour une MSI A320, toujours pareil, en max, c'est-à-dire que vous pourrez mettre par exemple un Ryzen 5 3600 dessus. Vous perdez l'overclocking, mais de toute façon l'overclocking sur les générations 3000 sont vraiment très limités et c'est pas trop conseillé, donc franchement c'est pas dérangeant. Celui qui veut une carte mère pas chère dans un petit boîtier, pourquoi pas. Très beau kit de RAM ici avec 16Go en DDR4 3000 CL15 de chez Corsair, donc les toutes dernières Vengeance Pro RGB qui sont adressables RGB, je les trouve super jolies. D'habitude ce genre de kit coûte environ 100€, ici très bon prix, hein, 79,99€. Également, comme j'en ai déjà parlé chez Amazon, il y a des promotions sur des articles qui sont reconditionnés, donc déduction de moins 20% au moment du paiement, mais il faut être membre Amazon Prime. Donc par exemple ici, 8Go en DDR4 2666 rouge, le prix de base 35€, donc d'occasion comme neuf. Ça fait 28,35€, comme à chaque fois je sors la petite calculatrice pour voir le prix, donc 28€ pour 8Go, ça peut être pas mal pour un complément si vous avez déjà une seule barrette de 8Go. Également partie stockage, j'en ai déjà parlé, mais ici pour 35€, vous avez un SSD M.2 câblé sur le SATA, donc le très bon Crucial MX500. Donc 35€, ça vaut le coup pour un M.2, donc ça prend pas de place, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'alimentation SATA, on n'a plus le câble SATA. C'est vraiment très bien, le MX500 est très fiable, et le prix de 35€, c'est vraiment pas mal parce que c'est d'occasion comme neuf. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être juste la boîte qui est abîmée. Pour celui qui cherche une GTX 1050 Ti, nous avons une offre sympathique sur une palette avec un double système de refroidissement, donc c'est largement pour la GTX 1050 Ti. Donc ici, au lieu de 138€, une fois dans le paiement, ce sera 111€, donc c'est vraiment une carte graphique très bien pour jouer en qualité moyenne, on va dire en 1080p. Au niveau boîtier, le très bon Spec Delta avec une offre de réduction, donc le petit coupon appliqué, ça fait 60€. Pour ici, un boîtier Corsair avec du verre trempé, avec un cache en alimentation, franchement, c'est vraiment très très bon prix. Également pour moins de 80€ avec le coupon appliqué, le tout nouveau Corsair IQ220T qui est vraiment très très bien. Donc ici la version noire, 3 ventilateurs adressables RGB, le cache alimentation, du verre trempé, franchement excellent boîtier. Le prix conseillé c'est 99€ ici, pour moins de 80€, ça fait plaisir. Grosse promotion également chez Material.net sur les composants de chez Fractal Design, donc moins 30% avec le code BLACKFRACTAL. Donc n'hésitez pas à checker toute la page, il y a pas mal de promotions, donc là il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Chez CyberTech, il y a deux alimentations à très bon prix, donc la Cooler Master
MWE Bronze en version 2, donc avec les câbles qui sont gainés noirs, pour moins de 30€. Et également une alimentation qui a été vraiment super réputée il y a quelques années, c'est la Seasonic M12-2 520 watts 80 plus bronze. Donc très très bonne alimentation pour 54,99€ en plus de ça avec la livraison, parce que la livraison est gratuite à partir de 50€ chez CyberTech. Alors pour moi ici c'est la meilleure offre de cette vidéo, c'est-à-dire le Razer Huntsman Elite, un clavier mécanique opto-mécanique qui coûte environ 200€ à la sortie. Donc là d'ailleurs le prix neuf il est indiqué ici à 192€. Alors ici, 43,38€ d'occasion en très bon état. Vous avez même à 45€ d'occasion comme neuf. Donc peut-être juste l'emballage qui est abîmé. Donc je vais faire le calcul. 34,68€ le clavier Razer Huntsman Elite. Alors ça, c'est un abonné qui m'a donné l'offre sur Twitter. Donc merci à lui. Franchement, c'est vraiment canon cette offre. C'est vraiment cadeau pour ce type de clavier mécanique. Il n'y a pas mieux en ce moment. Ensuite, au niveau périphérique, la Logitech MX Master, une souris qui est vraiment très bien pour du multimédia, pour du travail, donc une souris sans fil. Très bon prix, donc très bonne promotion à 37,99€. Également très bon clavier de chez Logitech, donc le G512 SE, donc une des dernières références, donc c'est du clavier AZERTY. Les switches sont vraiment de très bonne qualité, c'est de l'alliage d'aluminium, donc très bonne finition, il n'y a vraiment pas de souci. Personnellement, je trouve qu'il est vraiment très très bien ce boîtier, donc moins de 80€. C'est une promotion du moment, donc ça fait plaisir, c'est promotion spéciale Black Friday. Également pour la Black Friday, il y a la promotion sur le volant Logitech G29, donc très bon prix au lieu de 160€ environ, 139,99€. Ça c'est vraiment top pour ceux qui aiment bien les jeux de bagnole, les jeux de racing, c'est vraiment un excellent combo, c'est ce pack qui est vraiment très très bien. Donc le prix du tout bon, 139€. Également chez Matériel.net, un pack sympathique de chez Color Master, donc le Devastator 3 ici pour 28,18€. Donc attention, il y aura des petits frais de port malheureusement. Donc clavier, souris, c'est vraiment très bien pour débuter de chez Color Master. Donc voilà, c'est vraiment mieux que d'acheter des packs Nonem par exemple. Et pour ceux qui préfèrent, pour 10€ plus cher, donc 38,98€, le pack avec du RGB cette fois-ci. Donc celui-ci est un petit peu plus qualitatif, c'est sûr. Donc le combo Master K Light L, qui est vraiment très très bien avec du RGB. Autre très bon clavier à membrane, donc le HyperX Halo Core RGB, franchement il est très joli, 39,99€, c'est un bon prix. Donc il est en concurrence par exemple avec le Corsair K55, donc franchement pas mal du tout, il est simple, il est silencieux, beaucoup plus silencieux que les mécaniques, donc là très bon prix. Quelques promotions directement sur la boutique de Creative, donc il y a des promotions, et en plus de ça il y a un petit code promotion de moins 5% à appliquer, que je mettrai juste à côté, c'est FNK5, par exemple. Le Soundblaster XH6 qui est vraiment très très bon, au lieu de 59€, déjà 59€ c'est un bon prix, vous l'aurez environ à 55€. Également promotion sur une nouveauté, le SXFIRC, donc de chez Creative, 79,99€. En plus de ça, le petit code promotion qui va bien, donc moins 5%. Et autre excellent produit de chez Creative, donc la Soundblaster XAE5, excellente carte son. Donc déjà le prix de base avec la promotion à 129,99€. Le petit code moins 5%, ça fait environ 120€. Donc franchement pas mal du tout, très très bonne carte son, et en plus de ça personnellement j'aime beaucoup son look. Autre très bonne promotion, c'est le Sennheiser HD599 Special Edition, donc le prix est vraiment super intéressant, au lieu de 150€ environ, c'est 99€ ici, donc très très bon casque audio à très bon prix. On continue maintenant avec les écrans PC, donc ici un 24 pouces avec une dalle IPS à très bon prix, 89€, ça fait plaisir. Malheureusement, c'est du 60Hz, mais c'est excellent pour un écran multimédia. On a de très belles couleurs, de très bons contrastes et de très bons angles de vision. Donc c'est moins réactif qu'une dalle TN, mais c'est beaucoup plus joli. Autre très bon écran multimédia, un 27 pouces de chez HP. Il est vraiment super joli pour 119€ chez Darty. Donc ici, c'est très bien parce que c'est également du 1080p, c'est une dalle IPS. Franchement, très bon look, c'est vraiment un très bel écran pour du multimédia ou alors pour une console de jeu, ça peut le faire également parce que c'est du 27 pouces, donc une belle diagonale, 1080p 60Hz, donc ça convient très très bien à une console de jeu ou un écran de travail, mais ça peut être vraiment très bien pour débuter dans l'univers PC avec une très belle dalle. Donc toujours chez Darty avec un très bel écran à 149€, donc cette fois-ci c'est un 24 pouces 144Hz avec une dalle IPS, donc là ça fait plaisir, en plus de ça compatibilité AMD FreeSync. Donc pour moins de 150€ c'est un très bel écran avec des bords très très fins aussi également, donc c'est très bien pour un écran gamer cette fois-ci. Alors celui qui cherche plutôt un écran 21/9, vous savez un écran plutôt long comme ici, donc c'est beaucoup plus large, donc ça peut être très bien pour un écran de travail, par exemple quand on fait du montage vidéo c'est très bien d'avoir une large piste. Donc très bel écran, 199€, c'est un bon prix, donc c'est une dalle IPS, donc ici ce LG 29 pouces est vraiment très très bien, donc pourquoi pas aussi également avec un jeu de voiture, un jeu de racing, ça passe vraiment très très bien. Autre très bel écran 27 pouces de chez AOC, donc c'est du 1080p 144Hz avec une très belle dalle IPS. Donc très bel écran, plus de ça compatible AMD FreeSync, j'aime beaucoup son look également, ça fait vraiment le look gamer. Donc le petit code promotion qui va bien, donc ça fait toujours une petite réduction, donc 249,99€.
Autre excellent écran, cette fois-ci un Asus ROG vraiment ultra réactif, 24 pouces Full HD d'Alteen, 240 Hz. Donc ici c'est vraiment ce qui se fait de plus réactif actuellement sur le marché, compatible à Nvidia G-Sync, compatible à AMD FreeSync. Donc ici il faudra appliquer le coupon, ça fait 360€ pour ce superbe écran. Au niveau PC portable gamer, il n'y en a qu'un seul dans la sélection ici. Il y aura le petit code à rentrer pour avoir moins 100€, donc HP 100€. Donc 549€ pour avoir un PC portable de chez HP 15 pouces Full HD, Core i5 basse consommation de génération 8, 8Go en DDR4, en stockage on est très bien, 128 de SSD, 1 Tera de stockage, GTX 1050 pour jouer à des petits jeux qui sont pas trop gourmands, donc c'est vraiment pour les joueurs occasionnels. Par contre, il faudra rajouter un Windows dessus. Autre bon plan tablette, comme vous avez vu, j'ai craqué, je l'ai commandé le 26 novembre, donc 163€ pour une Galaxy Tab A en version 2019. Donc le prix de base d'habitude c'est 199€, donc très bon prix, malheureusement livré entre 1 et 3 mois. Donc la durée de livraison c'est point d'interrogation. Donc pour le prix, c'est vraiment la meilleure tablette d'entrée de gamme pour moi en 10 pouces. Et la meilleure moyenne gamme pour moi c'est la Samsung S5e. Donc voilà, prix canon ici, je vous la conseille fortement. Au niveau console, il y a pas mal de packs en ce moment, comme vous savez, donc un pack PS4 Slim 500Go pour 189€, c'est vraiment pas mal. Également pack Xbox pour 210€, donc vous avez le pack Xbox One S, le jeu Forza Horizon 4, le casque Turtle Beach Recon 50X, une deuxième manette, et en plus de ça, FIFA 19, donc vraiment très bon pack pour 210€. Au niveau portable, nous avons une promotion sur le très bon Google Pixel 3a, donc la version 64Go, 349€, c'est vraiment un très bon prix. Celui qui cherche un smartphone qui fait d'excellentes photos, celui-ci est canon. Pour ceux qui cherchent une trottinette, il y a pas mal de promotions en ce moment sur les Xiaomi M365, donc c'est pas la version Pro, l'autonomie est un peu moins bien. La version Pro coûte, je crois, 70€ plus cher, donc ici la version noire à 349€, et également la version blanche, que je préfère d'ailleurs, pour 349€ également. Voilà une petite trottinette électrique qui fait plaisir. Donc voilà pour tous les bons plans de ce mardi 26 novembre 2019, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite, merci à tous, ciao bye.